Eh bien, bonjour, chers amis voyageurs. Ici Chris, on est sur Empyrean, les amis, pour la suite de l'aventure. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on va construire notre tour de défense. Si on a le matos, bien sûr. Mais bon, j'ai crafté déjà pas mal de choses. Ça, j'ai récupéré sur l'épave, qui a pas loin. Mais c'est ça que j'ai crafté pas mal. Donc les blocs de béton, on va les mettre là. Et ça, on va ranger ici. J'en avais déjà en plus, hein. Mais bon, ça en fait un peu plus. Dommage qu'on n'a pas une touche pour ranger tout ensemble. Ça serait bien. Ça c'est du simple béton, mais là nos tours on va les faire en béton armé. Et si on en a encore, limite on va. C'est pas ça que je vais faire. Ça marche plus. Ah. Alors malheureusement il fait nuit. Alors ce qu'on va faire, on va faire c'est la nuit. D'habitude on se fait attaquer chaque fois qu'on dort hein, dans ce jeu. Bon écoutez, on va regarder si oh, on a du verre. Pourquoi ça sert à les blinder hein? Alors, par où vont venir ces sauvages? Ah bah, on va se faire défoncer. L'aider un peu. Voilà. Ah, le vaisseau, il s'est fait défoncer. Ça, pour une fois, vous l'avez vu. Voilà. Je vais ranger les trucs dans la base directe. Ah, j'ai toujours pas réglé ma touche à la con. Alors, qu'est-ce que j'ai eu encore? Ça. Je crois qu'on en avait déjà. Hein. Voilà. C'est avec ça que j'ai fait la deuxième mitrailleuse que j'ai rangée là. Ainsi que le fusil à pompe que j'ai rangé là aussi parce que celui-là j'ai looté. Hein. Après, on a eu ça. On a eu ça c'est bien. Ça, je vais le garder. Et ça, la pommade antitoxique. Poisonnier, ça, ouais, bah, l'autre fois, c'est ça qu'il me fallait en fait. Moi, je me suis fait empoisonner. Ah, mince, il s'est tombé. Alors, écoutez, je vais la ramasser, puis je vais la mettre dans le frigo. Côté bouffe, on est bon. Ah, j'en prends qu'une. Je vais la mettre là. Alors, on voit un peu ces verres là. Ils sont un peu trop près à mon goût. Ouais, 4 verres. Hein. Ouais, il y en a plus que ça même. Je sais pas ce qui les attire, mais. Allez, venez. Depuis la ligne à l'océan, on va peut-être le ramasser.
Ça fait de l'XP, hein. Moi, parce que j'ai quand même décidé de faire mon le vaisseau mère. Faut que je sois level 20, hein. 25. Level 25, donc c'est pas pour tout de suite. Mais bon. Je défonce toujours de la fibre quand je vais. Alors, il faut que je me méfie quand même parce qu'il fait 66 degrés là, c'est supportable, et encore, hein. C'est déjà limite. Hein. Alors. On va démarrer notre tour d'ici, si je peux. Il faut que je creuse un peu. Bon, bah, on va creuser. Pourquoi je pourrais pas là? Qu'est-ce qui gêne rien là? Je comprends pas tout le. Pourquoi ça gêne rien là? Je comprends pas là. Déjà qu'il m'est réussi, je réussis à le mettre là ici, c'est déjà suspect. Un peu. Bizarre, bizarre, bizarre. Oula. Je vais en dire, mais ça me paraît chelou, hein. Et là, j'arriverai. Bon, ben, tant pis. Et l'autre côté, on arrive là. Non, on n'arrive pas. Alors, ça me paraît bizarre. Donc, je vais essayer de reboucher ça. C'est ça qui est vraiment dommage, comme je vous le dis à chaque fois dans ce jeu. Pourquoi ne nous laisse pas remettre générer. Surplus qu'il y a à l'intérieur, je vais l'enlever. Alors, pas niveler, extraire. Voilà. Impeccable. Ah, ça a enlevé la moitié dehors aussi. Ok, ok, ok. Bon, bah, générer de nouveau. C'est ça qui est embêtant, hein. Moi je vais rien pouvoir y faire. Peut-être quand même, je vais réussir quand même si je le fais dans le sens là. Ouais, là, peut-être ça l'a fait. Ah, ça m'a fait un trou quand même. Il n'y a pas moyen parce que le rayon là, on n'arrive pas à le diminuer en fait. C'est ça le problème. Là, ça fait moche. Je vais quand même essayer de niveler pour voir. Peut-être moyen. Alors, déjà que c'est. Ouais. On va faire mieux là, les amis. Regardez quand ça fait. Qu'est-ce que ça fait quand je nivelle. Ça en m'en fait un là. Non mais c'est horrible. Je vais leur dire de prendre exemple sur No Man's Sky, franchement. Bon là tout ce que je veux moi c'est que ça touche là. Et là, ça le fait, ça touche. C'est à cause des panneaux en verre. Hein. Ah c'est à cause de ça les amis. Je suis obligé de le cube il est vers l'extérieur, vous rappelez le grand cube. Voilà. Et là ça le fait parce qu'il n'y a pas de cube là. Et voilà, c'est tout simplement ça les amis. Bon bah alors on va continuer hein. On va poser. Est-ce que ça va poser ou il faut que je creuse? Ouais il faut que je creuse.
En fait, je veux le relier, j'étais pas obligé de relier hein, en fait. Mais je veux la relier, moi, en fait. Faire une descente aussi là. Comment ça? C'est la toute petite? Ah non, je vais pas utiliser celle-là. Je vais utiliser la grande même, je dirais. Pourquoi il irait pas maintenant ici? C'est quand même bizarre des fois. Hein. On va creuser un petit coup. Vraiment un petit coup. J'aime bien quand j'ai pas besoin de creuser, mais là on n'a pas le choix. Ah là j'ai trop creusé, mais bon. On n'a vraiment pas le choix. Ouais, parce qu'on va faire une bonne tour, hein. J'aurais pu prendre un VP et la faire, hein. Mais bon. Faire nous, puis de toute façon, les BP c'est joli, mais on n'a pas toujours le matos. Ça, alors on va essayer de venir encore dans un cube ou deux. On va essayer d'aller jusqu'ici à peu près, et après, il faut qu'on monte. Hein. Oui, j'aurais pu très bien mettre un cœur de base et puis la mettre un peu plus loin. J'aurais pu le faire, hein, je pense. Qu'elle soit autonome, mais je préfère avoir un seul conteneur de munitions. Alors je vous reprends par la suite quand je suis avancé les amis. On y va. Alors voilà les amis. Pardon, excusez-moi. Donc on se retrouve sur Empyrion, enfin c'est déjà, mais après la petite ellipse. Donc je vais rajouter deux foreuses laser. On va pouvoir les miner, hein, sérieusement. On attendait d'avoir le level 20, hein, si vous vous rappelez. Alors. J'ai fini ma tour, hein, mais bon, elle n'est pas ouf, mais bon, elle va déjà servir quand même. Hein. À l'intérieur. Ça manque un peu de lumière encore, mais bon, ça va venir. Voilà. Bon, j'ai mis ce que j'ai pu, hein, les amis. Je voulais mettre. Grosse toile dessus, mais ça demande trop de ressources, je disais pas encore, c'est pour ça que je vais partir miner là.
Une fois du Zascosium et une fois de l'Orestrum. Il n'y a rien d'autre à faire. Tout à l'heure, j'arrivais parfaitement à aller sur ma porte. Maintenant, j'y arrive. Ah, voilà. T'es en train de venir. C'est ma gueule. Moi, j'ai mis un ascenseur tout le long. Moi, j'ai fait c'est un peu de la décoration, hein, mais bon, ça solidifie aussi la structure, attention. Hein. Parce que c'est du blindage. Regardez. Béton armé, hein, 1373. Bon, là, c'est 2200. Hein. Oui, mais ça, c'est à l'intérieur. Hein, donc, de toute façon, quand on aura une. Quand j'aurai un peu plus les moyens, on va se mettre une. Ah, un bouclier, les amis. Hein. Bon, ben voilà, le vaisseau est prêt. Ah, je voulais rajouter, je vous avais dit, hein, je voulais rajouter un propulseur, mais ça va pas. Je peux pas le mettre ni là, à cause de la porte. Mais bon, j'y tiens à le garder, le petit cellule de survie là. Hein. Là, j'ai rajouté bien sûr un conteneur modulable récolte. Hein. J'avais pas le choix. J'aurais peut-être pu le mettre à l'intérieur, mais bon. Au cul, à la limite, j'aurais pu mettre une. Ouais, ça solidifie aussi. On va le laisser comme ça. On va le tester. Hop. Alors vous voyez, hein, maintenant en 1 j'ai les drills, hein. En 2 j'ai les mitrailleuses Gatling, et puis là j'ai le détecteur quoi, qui va nous servir hein, maintenant. Alors j'allume mon vaisseau, comme ça on regarde en oxygène, on est presque bien. On va s'en rajouter à fond le maximum qu'on peut. Hein. Ah, ça, je vais peut-être pas prendre avec, effectivement. Des blocs béton armés, j'en ai pas trop besoin. Alors, base, on va les mettre où c'est. Ouais, je vais les mettre là à côté du béton. Ça, je garde, on sait jamais. Alors mon inventaire il est comment maintenant? Il est nickel. Ah, il faut que je me fasse des multi-charges. Ah, c'est les lumières du machin qui éclaire comme ça. Ah vache, ça pète les yeux hein. On va sur des multicharges vite fait. C'est dans les armes, il me semble. Ouais. La foreuse, non. C'est multicharge. Ne vous trompez pas, hein. Bleu, c'est pour la foreuse. Et les verts, c'est les multicharges. J'en ai fait deux, ça m'en fait trois. Ça en fait trois, hein. C'est une production de trois. Donc c'est easy. Hein. Voilà, les amis, hop, je vais dans le conteneur en mode sortie. Et je me rajoute, mais. Comme ça, j'en ai 10. Hein. Là, regardez, j'en ai 27. Donc, c'est plus que assez. Là, mon bouclier clignote, c'est normal, hein, les amis. Votre bouclier ne fonctionne pas dans la base. Hein. Par contre, j'avais dit que je voulais rajouter un. Oh, ça ira. Ça ira. Ah, avant de partir, je vais tester un truc. Ah, parce que si ça bouffe trop, ça va pas être bon. Hein.
Alors, je vais sortir les armes d'Orel. On va tester là-bas. Oh, j'avance plus. J'avance pas. J'avance vraiment pas avec celui-ci. J'avance pas ici, mais dans l'espace, je vais avancer. Hein. On va aller relever ensemble le, bah, le la mine. Hein. Oh, ça va. C'est pas oufissime, hein, les amis. 44 mètres secondes, c'est nul, même, je dirais. Ça le fait, hein. Ce qui est intéressant. Ah, je pouvais pas mettre plus gros, hein, comme propulseur en arrière. Ouais, prendre avec. Ah, j'aurais pu le recharger quand même. Voilà. On peut se casser. Alors les amis, on va se retrouver... Puisque je trouve une planète avec du Zasco. Hein. L'espace à 81 mètres secondes, c'est pas ouf. J'ai déjà eu des vaisseaux mères qui puits. Enfin, on va s'en contenter, les amis. Alors, on va faire une petite ellipse et puis je vous reprends dès que j'ai trouvé ce que je cherche. Bon, j'ai pas trouvé ce que je cherchais, mais bon. Je vois un astéroïde de cobalt, on va y aller. C'est toujours intéressant le cobalt. Puis je vois pas trop d'ennemis dans le coin. Alors on y va. Même si bon. Je pense pas que je vais risquer grand chose ici. Alors on regarde si qu'il y en a. Alors vous avez vu, hein, la vitesse que ça mine, hein.
Descend. C'est vrai que quand j'ai commencé à jouer en pyro, ça c'est existé pas mal. Ce qui est pas mal avec ça, c'est que... Bon, faut être level 20, hein, attention. C'est que, bah, vous sortez pas du vaisseau, quoi. Donc j'ai une bouclier hein, qui nous protège et une tourelle dessus qui va tirer tout seul hein. Normalement. Voilà normalement le, hein, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est garder le coffre de le conteneur de récolte qui est là. La pierre, je vais la foutre à la poubelle pour l'instant, on s'en fout. Ça, je le transote sur moi et je le stocke dans un conteneur. Hein. Tous les minerais d'ailleurs. Ça, c'est juste avec deux, hein. Mais attention, ça consomme. Hein. Grosse consommation énergétique. Là ça va, c'est ça va. Petit là ça va. Ouais parce que j'aurais pu en mettre 4. Hein. Pierre, pour l'instant je garde pas parce que on n'a pas fini. Mais vous avez vu hein, 2600 hein, en peu de temps. Hein. Hop, je me remets sur le scan. Je sais pas, il y a un truc pas loin là, j'ai vu. Enfin 12 km quand même. On y va. On n'est
pas si rapide que ça dans l'espace, mais bon, 82 mètres secondes. Je suis pas sûr que les vaisseaux qui sont pas loin là, ou les points rouges, ils vont aussi vite. Hein. On va se méfier quand même, hein, parce que bon, un petit drone, il va le défoncer, hein, et puis notre bouclier va tenir, mais bon, un gros vaisseau, il tire pas la même chose. Hein. S'il a des tourelles d'artillerie, par exemple, il vous défonce. Hein. Donc il faut se méfier, hein, les amis. Ça disparaît, je rescanne un coup. Puis en même temps, ça me permet de voir autour. De voir le point où je dois aller et de voir autour. Alors méfiez-vous aussi hein, quand vous allez sur des planètes comme du, où il y a du Zascosium et des Restrum. La plupart du temps, c'est des planètes. À forte gravité, hein. Donc des fois vous n'avez même pas à redécoller. Hein. Ou alors avec difficulté, hein, mais que si vous devez vous sauver, parce que la plupart du temps, les gens ils sont pressés, ils vont tout de suite le chercher dans ce podium. Hein. Ah, je l'ai fait aussi. Hein. Pas sur la partie là, mais sur la partie d'avant, hein. Le premier départ. Hein. Et, j'ai eu de la chance. Alors, il va nous trouver quoi? Du cuivre. On va le prendre, on va en prendre un peu. Ah, j'ai pas regardé comment il peut disparaître. Ce qui est pas mal maintenant, c'est sur la map, quand je mets la map, vous voyez? On va repérer de nouveau le cuivre et le cuivre on le voit pas parce qu'il est devant nous. Ah oui, quand je mets la map aussi, mes amis. Ça vous me dit ce qu'il y a de la classe, j'aimerais mieux retrouver. Pour l'instant j'ai de l'eau. Hein. La classe c'est bien pour ceux qui font des stations dans l'espace, comme ils vont presque jamais sur une planète. Le cuivre est facile à repérer sur l'astéroïde à l'hiver. Vous voyez. Et comme ça. Alors, je peux vous dire, il y a des bons astéroïdes. Il y a moyen d'avoir 5000 maximum. Hein, c'est un, bon, c'est un bel astéroïde. 5000 de minerais. Je vais bien faire le tour. Bon, je fais une petite ellipse parce que là, mon chien qui aboie, je ne sais pas pourquoi. Vous avez dû l'entendre. Plusieurs fois, je vois ce qu'il a. Allez, à tout de suite.
Alors, j'ai de nouveau warpé, on va aller voir qui a Kai ou qui a, je sais plus quoi, non, c'est Kai. Ouais, Moon 2, la deuxième lune du système. Parce que là, dans l'espace, je vois rien. En plus, en allant sur les moons, normalement j'ai des balles d'explorateur. Je sais pas ce que. Je me renseigne pour savoir qu'est-ce que je dois en faire. À mon avis, ça s'échange contre certains trucs. Il faudrait que j'aille voir chez les Polaris. Les Kriel, on est ennemis avec eux. J'ai vu ça. Vous avez vu là, j'accélère pas. En fait, j'ai mis en auto au max quoi. Hein. Si je touche ma truc, voilà. Et là, si je me remets à fond et que j'appuie en même temps sur la gâchette de gauche, ça reste à fond. C'est comme un. Sur les voitures, là, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, encore un badge d'explorateur envoyé. Ah là, on est chez les Irax. Alors je vais rester en l'air à 800 mètres. Voilà, c'est pas la peine qu'on y aille. Hein. Juste regarder qu'est-ce qu'il y a sur la lune. À part du pentaxide, le reste ça nous intéresse pas. On sait pas qu'est-ce qu'il y a comme ressources là non plus. Allez, je me sauve de là. Voilà, on est retourné dans l'espace. Hein. Va falloir penser à manger aussi. Alors, si je me trompe pas. J'ai pris un sachet avec. Regardez, hop, 437. C'est pas périssable, hein. Je suis pas obligé de le mettre dans le frigo, mais bon, c'est une habitude. Hein. Alors, il n'y a pas trop de points rouges, comme ça on a le temps de faire une destination. Système. Allez, à Kiamoun. C'est une distance de 0,3 années-lumière, mais faut le faire en warpant, hein, sinon vous n'y arrivez pas. Hein. Vous voyez, on la voit, mais elle n'est pas juste à côté. Hein. C'est parce qu'on a un ennemi juste au cul. Derrière nous. Pense qu'on va réussir à le larguer. Alors ici, il n'y a que dalle. Satium. Juste aller voir sur la lune.
Ah, c'est Kai, hein. Kemoun. On va l'appeler Ké. Aïe, c'est le clavier. Hop, je rebloque la vitesse, hein. Vous voyez la petite barre qui remonte, là, je lâche. Comme ça, en même temps, je peux scanner, hein, en fait, les amis. Ah, on aurait pu même aller voir ce que c'était, ça. C'est tout près. Vous avez vu, j'ai pris 300 d'XP, hein, titane. Bon, on va s'en prendre un peu. Hein. Tant qu'on est là. Tiens, juste en face de nous, là. Je vais scanner un coup hein, pour voir les points rouges autour. Hein. On voit qu'il y en a deux. Ah, c'est un drone, voilà. Ça va voir si ma tourelle agit. Ah, j'espère que je suis pas obligé de mettre là. Hein. Je pense pas. Hein. Après, c'est pas dit qu'ils vont nous tirer dessus, hein, les étoiles. Hein. Les drones, je voulais dire. Vous avez vu, hein, ça ramasse 108 000 en un coup. Le trou, on peut faire une base. Dommage qu'on peut pas le faire, ça d'ailleurs. Ah, pour faire des bases dans les astéroïdes, il n'y a que spécial ingénieur. Hein. Ah, j'en ai vu un peu là. On va quand même aller voir sur la lune, hein, si jamais. On va essayer de pas se coincer, hein, parce que. On est à moins 115 degrés à l'extérieur, vous voyez tout hein, à droite. Hein. Dans le vaisseau, il fait 22. Hein. À l'extérieur, c'est moins 115. Et en radiation, ben on a zéro, j'ai l'impression. Mais bon, nous, non, on a 7,5. On a zéro parce qu'on est dedans. Si je sors, ouais, on aura, oui. Alors. On va s'occuper de. Voilà, poubelle, ça. Et ça, on va pas le mettre au frigo. Hein. On va le mettre dans le conteneur. C'est pas celui-là. Ah, ouais, hein, on a commencé à être bien. Hein. Alors, j'ai vu un truc à 5 km, on va y aller voir. Hein. Vous avez vu qu'on n'est pas loin de. Enfin, à 3 années-lumière, hein, quand même. On voit la mine de Prométhium, ça c'est mes marqueurs hein, sur la planète. Et ma base. Et c'est ça qui est bien maintenant, aujourd'hui, c'est que vous pouvez retourner à votre base vite fait, quoi. Ça garde en mémoire le chemin. Satium.
Bah écoutez, je vais en profiter tant qu'on est là. Hein. Bah, bien sûr, on n'est pas venu chercher ça. Hein. Mais bon, c'est de la patience, hein, l'espace, hein, les amis. Même si on n'en trouve pas, c'est pas tellement grave. Hein. J'en ai encore un peu. Du Zasco, j'ai encore un peu, mais c'est les restants que j'ai pas. Et pour construire le vaisseau, j'en ai un besoin. Il y a une autre solution, c'est d'aller looter les Irax. Hein. Et ça, c'est un truc qui peut être dangereux, quand même. Hop, minage. Hop, ça tire. Ça, c'est efficace, ça, quand même. Je veux rien dire, mais bon. Et j'en ai que deux, hein. De rouge à côté de nous, ça c'est poubelle, et ça c'est dans les minerais. Bon, il y en a encore pas mal là, mais bon, c'est pas grave. On rescanne. Bon, ça c'est notre point. Ça c'est celui de Titane. Bon, on va se sauver d'ici. Faut attention parce que le rouge il est pas loin. Ben, il est pas loin, la perspective elle est pas un peu difficile hein, les amis, parce que bon, il peut être au-dessus, de côté, sans être trop loin hein, en fait. Alors, hop. Donc là, on a fait la Moon 1, la Moon 2. J'ai l'impression qu'on est. On va encore aller à Ita. Hein. Hop. Bon, j'ai verrouillé la cible, hein, les amis. Ita, Ita. C'est en dessous. Et voilà. Alors ça, ce qui est bien aussi aujourd'hui, hein, vous n'avez plus besoin. Avant, il fallait relever le bouclier, c'était une thérapie. Puis ça fait que vous étiez à la merci, hein, le temps qui se recharge. Parce qu'aujourd'hui, ben voilà, on peut faire des sauts sans enlever le bouclier. Ça, c'était une bonne amélioration. Hein. Ah, planète gelée. Ah non, même pas. C'est plein de départ, ça. Ouais, faire or, un or dans les astéroïdes. Je prendrais bien un peu d'or. C'est quoi les couleurs bleues, là? Je connais même pas. Station. Là, si on trouve de l'or, on va en prendre, hein, les amis. Non, parce que si je dois faire
Alors, excusez-moi deux secondes. Alors voilà. C'est juste pour couper, hein, parce que. Hein, écoute, téléphoneur. Alors là, on sait ce que c'est. Hein. Il y a un samedi. On est samedi, hein, aujourd'hui. J'enregistre le samedi. J'ai pas pu enregistrer hier, hein, j'étais à l'hôpital. Passé la nuit même à l'hôpital, aux urgences. C'était très marrant. Je sais plus ce que c'est, hein, mais faudrait qu'on aille voir, hein, parce que bon, pour faire connaissance, quoi. Hein. Ah, la différence aussi entre un scanner de petit vaisseau et un scanner de vaisseau mère, c'est que là vous saurez déjà ce que c'est l'astéroïde. Est-ce que là on sait pas, quoi. On va s'y faire. Pour ce qui m'intéresse, on va aller voir celui-là. Vous avez vu là, je vais réaccélérer, puis je rescanne et je remets le. C'est pas un autopilote, hein. Je sais plus comment ça s'appelle, hein, pour vous savez. Hein. C'est pas un imitateur non plus, hein. C'est un. Ah, vous avez tout ça sur vos voitures, hein. C'est, même moi j'ai une voiture qui est pas récente, là déjà. Bah, c'est un truc haut de gamme que j'ai. Hein? Une belle station là, les amis. COL, c'est en blanc, mais c'est level 3, mais ça a l'air pas ennemi en tout cas. Vous allez voir que c'est là l'or. Hein. Ah non, c'est de la glace. Bon. La glace, je vais leur laisser parce que moi j'en ai pas vraiment besoin. En fait, là, normalement, je pourrais faire le plein. Normalement, hein. Service plus, c'est ça que ça veut dire, hein. Attention. Est-ce que je l'ai là? Voilà, vous avez vu. Service plus, voilà. Voilà, bah, même des munitions, vous pouvez acheter des munitions. Oui, vous les achetez. Enfin, vous voyez bien, hein, ça c'est la première fois que je vous le montre, hein, d'ailleurs. Ouais, on peut faire le plan en pataxide. Hein. Alors, j'ai combien de... Hein, c'est des colons. Ok, neutral. Ça va, on peut interagir avec eux-mêmes en neutral. Alors seulement, le problème c'est quand même, on va savoir comment on fait pour être amis avec eux. C'est quand même mieux. Alors on n'a pas trouvé l'or. Hein. Là c'est le fer. J'imagine qu'il y a un astéroïde. Hein. Sans plus. En dessous, c'est quoi? C'est le fer. Et là, c'est la station. J'ai envie d'aller voir un peu sur la planète quand même.
J'ai l'impression qu'on n'a pas de chance, hein, de démarrer dans un système où l'eau est restreinte. Hein. Pas de bol, les amis. Ah, ça, c'est de la planète gelée. Hein. Ou je me trompe. Alors des fois avec un peu de chance, il peut y en avoir sur les planètes, hein, attention. Puis il y avoir juste de leur restreindre même. Et c'est pour ça que je rentre quand même sur la planète. Ah bah y a pas. Mais vous avez vu, hein. Quand même pas mal de choses, hein. Titane, cobalt, silicium, cuivre, prométhium, fer. Ah, je suis bugué, hein. J'aurais pu sortir. Hein. Attendez. Ah, il se passe quoi là? Oh. Moi, je vous reprends tout de suite, hein, les amis. J'oublie. Alors les amis, bon, petit souci, hein, je sais pas ce qui se passe, donc j'ai pas pu, à chaque fois que je retourne sur cette planète, ça frise total, hein, je sais pas pourquoi, bon, les mecs là ça remarche bien, je sais pas ce qui se passe, mais bon, c'est pas tellement grave, hein, les amis, de toute façon, j'ai toujours pas trouvé de restroom, hein. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas ici, hein, d'ailleurs. Et comme nous, avec ce vaisseau, ben, on peut rester que dans ce système. Ben, les amis, ben, je vais m'arrêter là pour l'épisode, hein, parce qu'on en a déjà fait pas mal. Hein. Et ben, le prochain coup, on ira... je vais faire un petit vaisseau-mère... bidon, hein, avec une tour de minage, hein. Le problème, je vais faire un truc que je vais construire moi-même, un cube volant, hein, pour aller miner, hein, des restreums. Seulement, il faut un moteur à longue portée, quoi. Aller dans d'autres systèmes. Ah, notre base est là. Hein. Parce que j'ai rien planté au début là, de la serre, je me suis dit qu'est-ce qui se passe. Ah. Je suis trop haut.
fois, je ferai une porte un peu plus grande. Hein. Voilà. Alors, c'est arrivé. Et on peut éteindre le vaisseau. Bon, ça vous fera toujours le message là, hein, mais bon. Voilà, c'est ça les choses là. C'est ça. Ça et ça. Ça, c'est les Gatling hein, à l'avant. Au départ, je voulais virer les Gatling et puis mettre deux de plus là. Mais bon, ça n'aura pas servi à grand chose. Hein. On éteint la lumière. Alors, on va ranger. Ah, on se fait attaquer. Ah, c'est ça que je voulais voir. Hein. Je voulais voir ça. Ah, oh, c'est un transporteur, le pauvre. Il va se faire déchirer. Bon, surtout que là, maintenant, on a trois toiles. Là, il va se recevoir. Hein. Alors, on sait. Personne ne tire. Ah, voilà. Regardez, les amis. Même pas il arrive ici. Hein. Au revoir. Bon, quand même le looter, hein, pour les munitions. Qui nous aura coûté. On va essayer de courir un peu. Ouh. Canon à plasma. De mieux en mieux. Donc vous avez vu, hein, ma tour, elle est efficace. Hein. Malgré déjà les commentaires que je sais que je vais avoir. Hein. Ah, mais comment ça se fait que je les avais mis vers l'eau, mais elle tourne dans tous les sens, hein, la tour. La toile, je veux dire, d'artillerie. Là. Alors là, c'est comment que c'est. Ah, on peut récolter aussi. Hein. Moi je récolterai en off, hein, de toute façon. Là, je vais ranger les toiles. Ça fait plus de place. Les tourelles et puis les trucs de minage, hein, bien sûr. Vous voyez, tout est rétractable. Alors là, ok. Maintenant, ça c'est le conteneur de la base, et moi je veux le conteneur 1. Ici, je vais aller dans le vaisseau, petit vaisseau SV. Et voilà, et je vais prendre. Ah, je vais faire automatiquement avec mage, clic droit. Hop, 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 et hop, et tout est rangé, les amis. Maintenant, on commence. En cobalt, on est bien. En cuivre, on est bien aussi. Bon, on est bien en tout, hein, les amis. Sauf en or, dommage qu'on n'a pas trouvé. Mais bon. Ça sera pour la prochaine fois, les amis. Alors, sur ce, ben voilà. On finit avec la lumière qui s'éteint. C'est stylé. J'aime bien. Et quand je commence, la lumière s'allume. Encore plus stylé. Alors, les amis. N'oubliez pas un petit pouce bleu qui fera bien plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, les amis. La cloche n'est pas obligatoire. Hein. Vous la mettez ou vous la mettez pas, c'est pour les notifications. Hein, dès que je mets une vidéo en ligne. Hein. Mais bon, ça c'est pas obligatoire. Mais bon, plus vous mettrez. Vous pouvez personnaliser aussi hein, tout ça.
Je sais pas si vous le savez ou pas. Comme ça, je vous le dis. Après, partagez sur vos réseaux sociaux ma vidéo. Ça fait plaisir. Et c'était Chris. Et je vous dis à très très vite sur Empyrean. Bye bye les amis.